Alors cette exposition, elle est proposée donc par la compagnie Papier Théâtre. Nous, on est installé au Vieux Marché, donc c'est dans le Trégor rural. Et cette exposition, eh bien, on l'a montée à partir d'un fonds photographique qu'on a récupéré il y a maintenant à peu près 5 ans. Et c'est un fonds photographique qui a été constitué par une photographe. Elle est née en 1878 et elle a commencé à faire des photos dans le Trégor un peu avant la guerre de 14. Donc c'est un fonds très important qu'on a pu acquérir et on avait tout un projet de développement culturel autour de ce fonds-là. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, ce qu'on propose avec cette exposition, c'est vraiment de remettre les photos dans leur contexte où elles ont été prises, c'est-à-dire en extérieur. Donc Madame Yvonne Kerdudo était photographe ambulante et elle s'est promenée, elle était à vélo, elle trimballait tout son matériel sur son vélo et elle allait donc prendre les gens en photo sur commande, c'est-à-dire quand il y avait des mariages ou quand il y avait des manifestations, des cérémonies, etc. Et puis elle a aussi pris beaucoup, beaucoup de photos de choses qu'elle rencontrait sur ses chemins, quoi. Voilà, donc ça a été très difficile pour nous puisque de choisir, on offre avoir environ 32 clichés et en tout il y en a 22 000. Donc on a fait un choix très, très serré. Ce qu'on essaye de montrer, c'est vraiment des scènes de vie de tous les jours, des choses qui ont marqué aussi le territoire, comme la guerre, l'évolution des technologies, l'arrivée du train, la construction du barrage de Quinlan-Skylec, enfin, des étapes importantes de choses qui se sont passées sur le territoire. Alors la motivation, c'est que pour nous, on n'est pas des spécialistes de la photographie, ça c'est clair. Hein, et ça a été vraiment une aubaine, puisque ce fonds, pour nous, c'est aussi un moyen de valoriser les personnes, les histoires de vie du territoire, et aussi de faire participer la population. C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une démarche de développement culturel en milieu rural. Et ce fonds photographique, c'est pour nous une façon d'aller vers les gens, de les faire se rencontrer, de recueillir leur mémoire, qui nous parlent de leur vie, qui nous parlent de leur famille aussi, c'est-à-dire d'aller vraiment croiser, on va dire, les champs du patrimoine et du culturel et aussi du sociologique. Donc ce qui est aussi important de dire, c'est que ce projet-là, on n'aurait jamais pu présenter cette exposition-là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu vraiment une très forte participation de bénévoles qui se sont vraiment attelés à la tâche. Il faut vous dire que pour restaurer un fonds comme celui-là, il aurait fallu à peu près 8 ans à 10 ans par les services de l'État. Et là, c'est une équipe de plus de 10 bénévoles qui se sont relayés pendant 4 ans, toutes les semaines, pour nettoyer les plaques, les numériser, les cataloguer, faire en sorte qu'elles puissent être exploitables en exposition aujourd'hui, quoi. Alors, ce qui est aussi très intéressant à partir de ce fonds photographique, c'est d'imaginer des activités, des manifestations, des créations à partir des photos. Donc là, ce qu'on va présenter samedi prochain, c'est donc un spectacle à partir d'un double regard, le regard d'Yvonne sur le territoire, d'Yvonne Kerdudo, donc la photographe, et de François Daniel, qui habite pas très loin d'ici, à Tréguidel. Et donc François a travaillé comme en écho et propose un autre regard que celui d'Yvonne, et ce sont ces deux regards croisés. Et il a construit le spectacle, on l'a construit tous ensemble avec deux musiciens qui sont Yannick Martin à l'accordéon et Erwan Lhermenier en clarinette et musique verte. Donc c'est vraiment une création collective d'échange de regards, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi tout un travail de propositions de musique par rapport aux photos et puis aussi des propositions de photos par rapport aux musiques. C'est vraiment un échange artistique à partir du fond d'Yvonne Kerdudo.